Ce sont des stars sur les réseaux sociaux et leur mode de vie a de quoi surprendre. Ils vivent dans des vans aménagés et sillonnent le monde tout en travaillant. Certains gagnent même beaucoup d'argent. On les appelle les néo-nomades. Ils sont des milliers à avoir choisi ce mode de vie rendu possible grâce à Internet. Nathalie Pellerin et Jean-Yves May les ont géolocalisés. Ils ont quitté maison et appartement. Nous, on a une vie nomade. Sillonnent le monde. Le van permet cette liberté. Et installent leur bureau n'importe où. Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire sans Internet. Leurs fans se comptent en centaines de milliers. Au bord de la Creuse, un jeudi après-midi. Là, concrètement, je suis au bureau, du coup jusqu'à 18h30. Claudia anime un site internet et son entreprise lui permet de travailler à distance. Clément crée des vidéos. Il y a 4 ans, ce couple était sédentaire et travaillait à Paris. Pour l'instant, tous les mois, on a eu un salaire qui était quasi équivalent, si ce n'est supérieur à ce que je touchais à Paris. Je me sens beaucoup plus épanoui en travaillant comme ça. On ne paye pas de loyer, on ne paye pas de factures, on n'a plus d'EDF à payer. Donc finalement, l'argent qu'on gagne, c'est de l'argent pour nous. C'est en voyageant en Australie qu'ils ont eu le déclic. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre une vie différente de celle qu'on nous avait appris, qui était celle de vivre chez soi, prendre le métro, aller au travail. Un mode de vie qu'ils partagent tous les jours sur les réseaux sociaux, comme des milliers de nomades connectés. Certains sont devenus des stars et les marques se les arrachent pour faire de la publicité. Bonjour, ça va? Émilie et Corée ont près de 200 000 abonnés sur Instagram. Depuis la côte ouest américaine, ils nous confient combien ce mode de vie leur rapporte. Nous gagnons quelque chose comme, je dirais, de 500 à 1500 dollars par publication. Donc c'est génial, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients que c'est beaucoup de travail. Bonjour, France. Leur van a tout d'une maison. C'est notre salon. Si vous tournez de ce côté, voilà notre cuisine. Ici, c'est là où nous rangeons la nourriture. Et voilà notre réfrigérateur. On utilise une douche qui est portative, qui se chauffe au soleil. On est complètement autonome, on a deux gros panneaux solaires sur le toit qui nous permettent en fait d'avoir un courant 220 volts. La communauté est immense. Tous échangent leurs tuyaux et leurs expériences sur Internet ou via des applications. Grâce à cette connexion et cette solidarité, certains n'hésitent plus à se lancer, même avec 6 enfants. Les projets les plus ambitieux n'ont plus de limites. Prochainement, France, Japon, van. Avec ce van. Avec ce van. Et notre chat.